Je voulais te montrer les nouvelles qu'ils ont réécrites. Ils ont adapté 5 nouvelles. Le chien brun et la fleur jaune de Chine et pas de vacances pour le chien brun. Les personnages sont des peluches. L'affaire Smilodon qui raconte le duel à mort d'une ours brune en peluche et d'un chat. Le grand méchant Marc. Un certain Marc Dutroux. Et l'album de foot qui a rencontré beaucoup de succès. 6 groupes l'ont choisi. Alors l'album de foot raconte l'histoire d'Ugur, un jeune garçon qui collectionne les autocollants de foot des albums Panini et que ses camarades malmènent. Et ses camarades vont lui jouer un vilain tour, mais il saura très bien se tirer d'affaire. Pour l'écriture, on a préparé des feuilles à 3. Alors le matériel, c'est très simple. Des ciseaux, de la colle et des feutres de couleur. La couleur, c'est pour noter qui lit. Au centre, tu vois, il y a le texte qu'ils vont lire et enregistrer. Dans la colonne à gauche, les numéros des séquences. Le texte a été découpé en petites séquences et les numéros des fichiers d'enregistrement correspondants. Et à droite, la conduite son avec les indications de son à intégrer. Pour l'écriture, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont adopté des stratégies très différentes d'un groupe à l'autre. Certains ont beaucoup coupé dans le texte, d'autres moins, et puis ils ont écrit. Alors, ils ont écrit pour relier les blocs de texte entre eux pour faire du sens, et aussi parfois pour que ça soit plus compréhensible à l'oral. Là, par exemple, la phrase « parce que je fais toujours la faute avec les C ou les C » ou « celle avec les C et les C », ils l'ont remplacée par « parce que je ne sais pas accorder les participes passés ». Et puis parfois, il y a des textes d'invention, comme par exemple dans l'album de foot d'Olivier et Lucas, et un passage qu'ils ont écrit qui n'était pas du tout dans le texte original.